On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo suite au défi de Karine 2024. Nous entamons la semaine 11. Ouais, c'est ça, 11. Donc vous savez, pour ma part, j'avais 8 toiles. Donc j'ai commencé à tourner, là, ça y est. Et donc là, on arrive sur la toile du Yoda. Voilà, pour rappel, c'est cette image que je vais faire. Donc c'est une toile en 11 CT que j'ai décidé de broder en 2 brins et pas en 3. Elle fait 129 par 173 points et c'est une 40 par 50 cm. Pour rappel, c'est une toile que j'ai divisée en 63 cases. 63 cases en tout, et il y a 9 cases de 2 carrés et 54 cases de 4 carrés. Donc on va procéder au tirage au sort pour voir où on en est. Allez, c'est parti. Donc la toile Yoda, c'est celle-ci. Il y a eu un seul tirage, c'était la case numéro 1. Jusque-là, tout va bien. Et on y va. Eh bien, c'est le numéro 40. Alors, je vais prendre mon petit carnet. Et là, numéro... Bah, c'est bon, la 40, je l'ai vue. C'est une case bleue. Elle est juste ici. Hop. Donc vous savez, comme je fais d'habitude, je souligne. Voilà. La 40, elle est ici. Oh bah voilà, on va continuer dans les confettis. J'en ai marre des confettis. Allez, la 40, elle est là. Et... Je vous fais voir sur la toile. Je vais pousser ma petite tasse d'eau. Hop. Alors la 40, elle va être où? Donc, une, deux. Voilà, ça va être par là, je crois. La 18, elle est là. 33, elle est là. Là, on a la 42. Ah, et la 40, elle est là. Voilà. Oui, bah, c'est bien ce que je dis. Hein. Bien confetti, comme d'hab. On est habitué maintenant. Donc, on a dit la 40. Elle, c'est... Pardon, vous voyez pas. C'est ce carré... Ce carré, celui-là et celui-là. Voilà, de là, là, tac, tac et tac. Voilà, bien confetti à souhait. Bon, bah c'est parti les amis, hein. Comme d'hab, je me mets au boulot et vous aurez le résultat tout de suite après pour vous. Moi, dans un petit moment, parce qu'elle est quand même bien confetti, il n'y a que 4 carrés, mais... Je vais m'amuser à compter le nombre de références couleurs que j'ai dans ma case à faire. Je vais faire ça. Parce que en fait, là, depuis quelques temps, j'arrête pas de vous dire que c'est confetti. Vous voyez pas forcément, vous, à l'image. Mais je peux vous garantir que c'est bien confetti. Donc, je vais m'amuser là à compter. Et puis, je vais vous mettre combien j'ai de références. Je vais essayer de vous faire ça. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et ciao ciao. Et tout de suite, le résultat pour vous. Et recoucou, donc je viens de faire le calcul. Donc, dans ma petite case que je dois faire pour la semaine, donc une case, je vous rappelle, c'est 4 carrés. Donc sur ma petite case, bien sympatoche, sur ma petite case bien sympathique,
Elle est où? Elle est là. Voilà. Sur cette petite case-là, j'ai 21 couleurs. Alors, j'ai pas compté le nombre de points, mais j'ai 21 couleurs, 21 changements de couleurs. Et en tout, c'est une toile où il y a 25 couleurs. Voilà, je vous laisse imaginer un petit peu. Et bah allez, on y va. Donc, vous avez le résultat tout de suite. Et moi, bah, il va me falloir un petit peu de temps pour le faire. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bye bye. Prenez soin de vous. Thank you.